s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre? L'obéissance est loin de suffire. Le pouvoir, c'est infliger souffrance et humiliation, autrement rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain et le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Dans notre monde, il n'y aura plus que triomphe et abaissement. Tout le reste, nous le détruirons. Le passé est à jamais banni. Pourquoi ? Simplement parce que si l'on coupe l'homme de son passé, alors on peut le couper de sa famille, de ses enfants, des autres hommes. Il n'y a aucune fidélité, excepté envers le parti. Il n'y a aucun amour, excepté pour Big Brother. Tous les plaisirs de l'émulation, nous les détruirons. Si vous voulez une image du futur, Winston, imaginez une botte qui piétine un visage humain à jamais.
Thank you.
Thank you.
United States Armed Forces. In spite of it. I'm not so well. You really can't bear it because I know you can't get out of this government. But that is really, really, really violent. On October 3rd, 1963, it said, twice the CIA flatly refused to carry out instructions from Ambassador Henry Clement Thomas, brought to Washington because he didn't. The CIA says the second term of the very high official would not cure even the White House to control. If the United States ever experiences an attempt to approve to overthrow the government, it will come from the CIA. The agency represents a tremendous power and total unaccountability to anyone. The FBI thank you.
Thank you.
Thank you.